ambiance d'animation. Vous voyez, nous sommes dans des moments de communion. Dans un contexte de communication. Le scénario concocté a été imaginé pour vous. Vous en êtes les principaux destinataires. Comme on dit, rallier l'utile à l'agréable. Le théâtre est annoncé. Le silence est demandé. Votre attention est sollicitée. Le plaidoyer est plébiscité. La mise en scène va vous édifier. À vos marques, préparez. Le quatrième acte, encore à l'honneur. Que du bonheur. Le ciel, la terre, l'eau, le vent, tous ces éléments réunis dans le commencement de la vie. On nous a envoyés ici-bas pour faire le monde. Je dois apprendre. Pour savoir et transmettre. Savoir. Pour nous en servir et construire. Servir. Avant de se servir, nourrir les racines de la vie. Vivre avec la mesure. Mesurer les dangers de l'existence. Exister pour bâtir. Bâtir quoi au juste? Notre continent, l'Afrique, à travers la promotion des banques africaines. Un événement exceptionnel. Une communication plus que sensationnelle. Sénégal, le Réau. 29e édition du Forum. Du club des dirigeants de banque et établissement de crédit d'Afrique. Bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Dakar, à l'honneur. Taru Sénégal, Taru Sénégal, Teranga la. Taru Sénégal, Teranga la. Bouteille forêté. Tadarara, croquin, tadarara, croquin, tadarara. Première note. Créé en 1989 à Lomé, Togo. Le club des dirigeants de banque et établissements de crédit d'Afrique est une association sans but lucratif réunissant l'état-major des banques africaines. Président, vice-président, directeur généraux, directeur généraux adjoint. Sa mission est de satisfaire les besoins d'information, de formation de ses membres, de susciter et faciliter la réflexion des dirigeants banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre. Chaque année, les membres du club se réunissent avec des objectifs communs à atteindre, basés sur une vision claire et précise. L'émergence économique et sociale des banques africaines, mais également le développement des banques africaines. Chers dirigeants des clubs de banque et établissements de crédit d'Afrique, merci de votre panafricanisme. Confiance en soi, Wolu Sabop. Comptez sur ses propres ressources pour développer l'Afrique. Le Sénégal. Accueillir l'édition 2018 du Forum du Club des dirigeants de banque et établissements de crédit d'Afrique. Cet événement de haute importance dans l'agenda du secteur financier africain a pour thème enjeux et défis des banques africaines de demain, innovation et financement. Waouh! Waouh! Des acteurs du secteur financier africain à l'école de la réflexion pour la bonne santé des banques africaines et établissements de crédit d'Afrique. Ça, c'est vraiment hyper! Ultra, extra, méga, giga, terra, important et pertinent! Lorsque votre continent vous invite au banquet de la pérennité, Djokana! Lorsque la mère patrie vous supplie de lui façonner un destin, Djokana! L'horloge du temps aura fini d'afficher la 25e heure. La Hassaï, Takou Ligue, Nirmaka Sulunekin. L'heure à laquelle se fermeront invariablement toutes les portes, dérobées de l'ignorance et de l'incompréhension. Les membres du club 1, debout des lots pour répondre à l'appel du continent. Avec leur savoir et leur savoir-faire. Des espaces d'échange ouverts. La parole sera donnée aux experts du secteur. La mutualisation des expériences saines. Le tout. Pour la compétitivité des banques africaines et les établissements de crédit d'Afrique. Cette rencontre entre dirigeants de banques, institutions nationales et institutions internationales est une parfaite occasion pour échanger et s'enrichir mutuellement à travers des panels de haut niveau pour une Afrique émergente. Dans un monde d'innovation et de risques, dit monsieur Tierno Seydou Nourousi, vice-président du club des dirigeants et établissement de crédit d'Afrique, directeur général de la BNDSRL, chef dirigeant des banques africaines et établissement de crédit d'Afrique. L'avenir de la banque africaine est entre vos mains. Africains, autorités et populations, vous avez votre rôle à jouer pour la promotion des banques africaines et établissement de crédit d'Afrique. L'Afrique au Conseil des continents doit monter au sommet du podium en matière de banque
et des crédits d'Afrique. D'accord. Car les ressources sont là, les possibilités sont là. Que chaque Africain en fasse son défi. C'est possible. Yes, we can. Car le plus que parfait n'existe pas. C'est du domaine divin. L'imparfait n'est pas une bonne résidence. Il faut avancer. Le parfait est une voie. Nous devons tous nous y mettre. C'est un idéal. Une fois atteint, l'étape suivante essaie de viser l'excellence. Oh. Aux initiateurs de cette cérémonie, nous vous disons bravo, félicitations, du courage. Merci.